Le jeudi 7 mars, Mika, affectée par la maladie et ressentant de la frustration, s'est exprimée sur les réseaux sociaux. En effet, le chanteur, engagé dans sa tournée Apocalypse Calypso Tour, a été contraint de reporter son concert prévu à Brest pour la soirée même en raison d'une grippe. Le mentor de l'émission The Voice, débutant sa tournée française le 1er mars, avait consacré toute son énergie à assurer le succès de ses premières représentations. Son récent album « Que ta tête fleurisse toujours », publié en décembre 2023, lui a permis de renouer avec ses racines et de proposer des compositions à la fois intimes et captivantes. L'épuisement et la maladie ont finalement eu raison de sa résilience. Dans un communiqué diffusé sur ses différentes plateformes de réseaux sociaux, il a exprimé sa profonde frustration en annonçant le report du concert prévu ce soir à Brest. Après 5 prestations, il a malheureusement contracté une grippe, ce qui l'a rendu physiquement incapable de se produire sur scène. Touché par la déception ressentie par ses admirateurs, Mika a souhaité présenter ses excuses. « Je suis profondément désolé pour ceux qui avaient prévu d'assister au concert ce soir », a-t-il exprimé. Il a spécifié que le concert n'est pas annulé, mais reporté au mardi 16 avril prochain, précisant que tous les billets restent valables, dans le but de rassurer ses fans. En couple depuis plusieurs années avec Andy Dermanis, Mika aspire à se rétablir rapidement pour retrouver la scène dès le samedi 9 mars à Nancy. En attendant, il a témoigné sa gratitude envers ses fans pour leur soutien et leur compréhension. « Votre amour et votre énergie me donnent la force de lutter contre cette grippe », a-t-il conclu.